Ah, sauf que parfois j'insulte la police. Puis là, il y a une petite voix dans ma tête qui me dit: Paul, tu dors encore avec ton doudou, calme-toi. J'aurais bien aimé être un rappeur d'ailleurs, moi, sauf que pour être un bon rappeur, il faut être en clash avec d'autres rappeurs. Comme le clash qu'il y a eu il y a quelques années entre les deux rappeurs Booba et Kaaris. Et je sais qu'avec moi, ce clash n'aurait pas duré longtemps. Si quelqu'un m'envoie, je vais te briser les os et boire ton sang. Mais il a gagné le clash, hein. Je suis allé visiter le souk de Marrakech aussi. Ils te donnent des surnoms là-bas. Moi, c'est la première fois que quelqu'un que je ne connais pas m'appelle Gazelle. J'ai dit, ben enchanté chasseur. Hein. C'est très étonnant comme endroit le souk. Moi, au début, je voulais rien acheter, puis après, on m'a obligé. Ce qui fait que je suis désormais le repropriétaire de 125 cendriers. Alors que je ne fume pas. Ils vendent beaucoup de choses dans le souk, d'ailleurs, elles sont pas toutes vraies, puisque j'ai acheté une très belle paire de chaussures Adidas. J'ai un pied en 33, l'autre en 48. J'ai dit au vendeur, mais monsieur, c'est des fausses. Il m'a dit, non, mais c'est pas des vraies. Comme je suis pas très courageux, je suis obligé...